Once upon a time with Mother Nature. Camar et les moustiques. Hey, salut les copains, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Au cœur de la Provence, sous la pluie, pour une fois, et oui, ça arrive aussi. Je rejoins Eric Gracia et tous ses copains. Eric Gracia, c'est le patron de la marque Kourouk, celui qui nous fait ses beaux vêtements, casquettes, t-shirts. On part pour une nouvelle aventure, programme entre terre et mer. Je vous en dis pas plus, donc ils m'attendent tous. On commence, pour une fois, par un repas, tous ensemble, petit repas convivial entre copains. On fait connaissance. On déroule le programme et après vous connaissez, on part à la pêche. Allez go. Hop là. Bonjour tout le monde. Salut Julien. J'étais attendu, j'ai l'impression. Je commence par les femmes, si vous me permettez. Madame la directrice. Monsieur. Enchanté. Bonjour. La fameuse Juju, c'est ça? C'est ça. Salut mon écho. Depuis le temps. T'es fait encore la bise. Ça va bien? Bah écoute, ouais, pas mal. T'as fait bonne route? Bah écoute, ouais, super. Super. Salut, Steph, c'est ça? C'est ça. Ok. Salut, Jules. Tony? C'est ça. Anthony, toi c'est Tony, donc ouais, c'est... Ouais, voilà, après c'est vrai qu'on m'appelle Tony. Tout le monde t'appelle Tony. Et puis mon petit Naimi, quoi. Non, c'est mon lit, t'es venu. J'ai l'impression que t'es déjà pas mal, toi, là. Non. C'est qui, c'est pour... C'était pour toi. On trinque tous et puis on fait connaissance, c'est ça? Allez, c'est l'idée. Go. À la vôtre. Tac. À ta santé. Tac. Alors, avec cette nouvelle aventure, parle-nous-en un petit peu. Je sais juste, pour l'instant, c'est entre terre et mer. Voilà, j'avais envie de te faire plaisir. Donc pour l'instant, j'avais envie tourner. Aussi de me faire plaisir. Bon, bah, c'est parce qu'en fait, je voulais te montrer un peu les deux territoires sur lesquels je navigue. Ton terrain de jeu, quoi. Ouais, mon terrain de jeu. Alors, terrain de jeu, tu vas voir, on va aller faire un petit tour au grand large. C'est pour ça que Stéphane est là. Ok, donc toi, Steph, t'es spécialiste mer, c'est ça? C'est ça, guide de pêche à Port Camargue. Ok. Voilà, guide de pêche au thon, principalement. Un petit peu de loup aussi également. Donc, guide de pêche depuis combien de temps? Du coup, diplômé depuis 2012 et installé à Port Camargue depuis 2013. Donc c'est ton activité principale? Depuis cette année, oui. Et jusqu'à présent, j'étais militaire, donc je faisais ça les week-ends et pendant mes vacances. Ah, t'es un jeune retraité de l'armée, quoi, du exactement, coup. Exactement, après l'armée, voilà, c'est ma reconversion. Donc deuxième vie, quoi. C'est ça, j'attaque la deuxième vie. Hein. Ah, c'est la meilleure, là, semble-t-il. Ouais, là, c'est pas mal. Ah, cool, quoi. Ouais, le but, c'est qu'on kiffe le moment et qu'on plie des cannes, quoi. Ouais, bah c'est ça, bah, t'as ouais, bien voilà. Compris le concept, hein, j'ai l'impression. Ouais, ouais. C'est un peu l'idée, hein. C'est un peu l'idée. Et puis, quoi, rigole, quoi. Ouais, et hein? Ouais. Ah, bon, bah, tout va bien. Ouais. Et puis, on va faire une journée en eau douce. Et une journée en eau douce, ok. Journée en eau douce. Où là, du coup, c'est Tony qui prend le relais. Alors là, c'est plus une histoire de... Là, c'est mon ami. Okay. Là, c'est plus une histoire d'ami. Là, c'est carrément mon sang, c'est la famille. Ah, c'est carrément la famille. Ah okay, oui, c'est ça, mon neveu. Je suis le neveu. Ok, donc toi, tu travailles pas dans la pêche, t'es passionné de pêche. Je suis passionné de pêche. Okay. Voilà, de toute façon, ma famille, oui, bah forcément, que ce soit mon père, mon frère, mon oncle, voilà, c'est vraiment une famille de pêcheurs, donc... Ouais, t'es tombé dedans quand t'étais petit, quoi. C'est clair. Ok, alors qu'est-ce que tu nous réserves comme programme, donc, sur les terres? Alors, si tout se passe bien, on va aller sur une gravière qui est donc pas très loin d'ici. Ouais. On va chercher la perche, okay. Si possible de belles, okay. Parce que c'est la bonne période, on est au mois d'octobre. Bah ouais, généralement, quand voilà, on généralement... C'est actuel et automnal, là, ça mange normalement. Là, ouais. Exactement, voilà. Ouais. C'est vraiment une période de transition et il y a toujours de très belles perches à faire. Okay. Et après, enchaîner sur le bass. Ouais, on va parler de guerre de verre un peu. T'es pas tout mal aussi sur le bass, c'est ton poisson, poisson de prédilection, toi. On a quelques basses, ici on a quelques basses, des très beaux spécimens. On va essayer de vous en faire découvrir des beaux, t'en faire attraper des jolis. Cool. Il est dur comme... Et on va quand même... Allez. Finir par le meilleur. Madame la directrice, parlez-nous un peu de vous quand même. Donc t'es venue avec ta moitié quand même, Eric. C'est t'es ça. T'es aussi patronne de Kourouk, du coup. Exactement. Vous travaillez tous les deux. Exactement, ça. C'est ça. Donc c'est on aura l'occasion de passer de toute façon au bureau pour parler un petit peu plus de Kourouk et son histoire. Hein. Celle sans qui rien ne serait possible. Voilà. Oui, bien sûr. Parce que c'est déjà celle qui me laisse me lancer dans tout ça. Mmh. Moi, j'ai mon activité, mais elle gère le quotidien de Kourouk et c'est beaucoup de travail. Ok, donc tu pêches avec nous, toi aussi, Jules? Allez. Bon, cool, donc là, en gros, tire pas tous ensemble. Ouais. Et puis demain, dès la première heure,
On file donc du coup à la mer en passant par la Camargue, c'est ça? C'est ça. Ok, donc c'est toi qui commence et il y a la surprise, c'est ça? Ouais. J'ai retenu, on m'a dit, tu vois, il y a une surprise. Ouais, on va voir si tu es digne de monter sur un bateau en Camargue. D'accord. ça sent plus le défi que la surprise, non? On va voir. Ok, ça marche. Et bon, et ben on trinque un coup et puis on passe à table. Allez. Ce sera la deuxième fois, mais bon. Hein, on est là pour ça aussi. Hein. Santé. Allez, à la pêche, aux copains, aux poissons. Ouais. Allez, go pour une nouvelle aventure. Et c'est reparti. Et à demain pour la pêche. Bon, ça y est, on arrive pour le moment surprise. Je suis équipé d'une GoPro au torse. On vient de traverser des troupeaux de taureaux. Je suis pas des plus rassurés. Tu peux nous en dire plus sur la surprise? Mais écoute, Julien, tu es venu chez moi. On est en Camargue. Ouais. Et en Camargue, on se fait défoncer par les taureaux, non? Un petit peu. Non, on a d'abord des sensations fortes, Julien. On pouvait pas faire ça après la pêche si je me fais défoncer par les taureaux. C'est notre petit cadeau de bienvenue. Ah, c'est le cadeau de bienvenue. Allez, si tu passes pas par là, tu peux pas monter sur le bateau. Allez, Julien, bonne chance. Là, faut que je saute là. C'est ça. C'est maintenant. Allez. Hop, hop, hop. On est avec Florian et Christophe. Donc toi, Christophe, t'es formateur. C'est ça, je suis instructeur dans une école. Instructeur, et toi, tu débutes. Raseteur. Voilà. Ok, mais deux familles de raseteurs, peut-être? Non, malheureusement. Camarguais d'origine, quoi. D'origine. Donc raseteur dans l'âme, quoi. Exactement. Raseteur, c'est, de ce que j'ai compris, c'est des gars qui courent dans l'arène pour essayer d'enlever les cocardes qui sont sur le front des taureaux. Le rôle que je vais avoir un peu aujourd'hui, c'est de placer la bête. Ouais. Aujourd'hui, je suis tourneur, donc okay. Je suis un raseteur à la retraite. D'accord. Je place le taureau pour les raseter. Wow, là, la plage. Oh putain. Oh putain, c'est chaud. Oh merde. Ah, il me voulait. Je suis content. Tu l'as fait toi déjà ça? Je l'ai fait quand j'étais plus jeune, ouais. Mais là maintenant je peux plus. La casquette sur les cornes, putain. C'est chaud la casquette sur les cornes. Faut que je puisse monter. Chut. Tu peux passer derrière ou pas ça? Vérifie avant quand même. Que je dis je le chauffe et après je sais pas si je fais. Allez, t'es au putain! Ah, ah, c'est bon, j'arrête! Ça va! Oh le bon! Merde! T'arrêtes pas mon gars! Oh ouais, t'arrêtes pas! Hop là! Oh bâtard! Ouais! Oh ça! Allez, je me casse, moi, c'est bon! On me fait chier avec vos conneries! J'ai perdu un jean! On va à la pêche ou? Ma dignité! On va à la pêche! Allez, c'est bon! C'est bon, tiens, vérifie! Hop là, un jean en moi! De la sueur partout! C'est reparti pour un nouvel épisode! Merci les gars! Allez, go! Bienvenue à Camargue. Poisson. Bien vu. Poisson. Ouais. On va voir qui t'attrape. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça les petites aiguillettes en fait. Ah, c'est ça. Pour ça que j'avais des fausses touches. Yes, j'en ai jamais fait, moi je serais bien une petite aiguillette. Salut Olive, ça y est, t'as branché la petite caméra? Dis-nous où on est un petit peu là, Stéphane. C'est très joli, on est entouré de terre et pourtant on pêche en mer. C'est ça, on est sur la sortie d'un petit fleuve, le fleuve Vidoual. Okay. Du coup, entre le Gros du Roi et la Grande Motte, entre l'Hérault et le Gard. Donc là on pêche comme c'est un ça. Étang quoi. Ben, du coup, on est comme un étang quoi, sur des poissons de mer avec de l'eau salée. Donc tu pêches comme si tu pêchais le bass ou la perche. Exactement, sauf qu'on pêche le loup. Le loup. Voilà. Pas belle l'histoire. Et donc là, il y a 3-4 mètres sous le bateau. On est passé tout à l'heure, il y avait 50 cm. Donc c'est vraiment, typiquement, ça ressemble à un étang. C'est ça. Et là, donc, on a une aiguillette. C'est ça, une petite orphie. Ah, c'est une orphie? Ouais. Ok, ça tombe. Hop là.
Est-ce qu'on annonce à nos internautes la nuit compliquée que j'ai passée? Regardez bien, je vous montre comment je vais de l'autre côté du bateau. On y va. Hop là. Tu veux que ça tombe pas, mais... Les ravages des années, donc quelques kilos de plus, un peu moins de mobilité, un taureau au cul, puis bah, là je joue avec le genou en vrac. Impeccable. Donc on a commencé ce matin avec bombe de froid et puis crème. Et voilà, en espérant ne pas avoir à faire un tour aux urgences, mais je vous avoue que je me pose tout de même la question. Parce que j'ai très mal. Tiens, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais la largeur du genou ici, un petit peu plus épaisse que celui-ci. Ça se voit quand même ? Ouais. Okay. Et comment il va, Eric ? Il va bien. Ah, il va bien ? Il est cherché un peu plus bas. D'accord. T'as mis un petit jerk, Milo ? Ouais, un petit jerk, un petit artiste, là. Yes. Non, ça déclenche bien. Ah bah, des artistes, on en manque pas sur le bateau, moi je te le dis. Ah, t'es peinard. Surtout moi. Ah, vous allez soigner. À l'accueil camarguais, je m'en rappellerai. C'est pas fini. Aïe. C'est ça, rigole toi là-bas. Tiens, un poisson. Yes, tonton. Yes, tonton. Ah là, c'est un loup par contre. C'est un loup. Ah ouh. Hop là. Un petit loup. Mon petit loup, mon petit loup. Bah, la beauté. Il est dans la boîte. Bien joué. Eh oui. Bon, c'est un bébé, hein. On va aller chercher sa maman. Mon petit loup, mon petit loup. Ça y est, j'ai un troupeau d'orphies au cul. Il faut faire des gros arrêts en fait, les gars. Ah ouais? Et à chaque fois sur les arrêts. Naïmi, lâche-moi avec ta caméra. Tu m'as dit qu'on risquait de voir des flamants roses. Ouais. Tiens, regarde, enfin. Hop là, sur une patte, le con. Sur une patte, le gars. Et sur une patte aujourd'hui, tout va bien. Hop là. Peut-être pas faire le foufou, quand même. Le bonheur, ça se lance. Allez, un asp. Ah. Passons. Décroché. Ah. Oh. C'est mignon celui-là. Ouais, ça a l'air plus joli, non? Tu veux ramener en linéaire, tu fais des poses aussi? J'ai bien fait me blesser, moi, tu vois. Un petit loup. Cool. J'ai l'impression que c'est teaser encore, ça. Ouais. C'est teaser. Ah, le montage teaser, hein, concurrence alimentaire. Ouais. Peut-être une petite leçon de vie aux camarades. Ouais, carrément. Hop là. Et tu vois, ils sont mouchetés. Ouais, les petits, ils sont encore mouchetés. Hein. Ah ouais. Hop. Poisson. Oui. Yes. Joli, Juju. La belle attaque. Il a pas ferré tout de suite, Juju. Il a attendu contact quand même. J'ai joué ça. Je me demande s'il n'y a pas d'autres pépères derrière. C'est possible, ça, non? Ouais, j'avais l'impression qu'il y avait, vague, eu, hein. Y avait du monde derrière quand même. Hop là, je te mets le chihuahua aussi dedans. Et... Hop,
un petit saut. Ah, le petit. C'était pas vraiment un saut, hein, ce que t'as fait. Hein. C'est un décalage. Ouais. Eh ben écoute. Tu vois, les couleurs bien vertes, quand même, qui commencent à avoir. Ouais, c'est vrai. Il est déjà en train de relancer, il s'arrête plus. Cet homme est une machine. Oh, parce que j'ai mal à la patte, je vais pas mettre du poisson, je vous le dis, moi. Une machine sans genou, mais une machine. Voilà, c'est ça. Oh putain. Il va peut-être falloir que je fasse un lancer ou deux aussi. Ah bah ça y est, le voilà lui. Putain, il a tenu une heure. Il est infernal. Il a tenu une heure. Jour 1, une heure de pêche. Tu vas te faire un lancer, moi, les gars. Il n'y a plus aucune retenue. Avant, le mec attendait le jour 4 de la dernière heure. On est passé au jour 1, première heure. Alors, vraiment, là... Regarde-moi cette tristesse. Oh là. Oh là, regardez les internautes. Oh ta gueule. Regardez les téléspectateurs. C'est du chinois, je regarde, je fais exprès. Hop là. Ah, c'est des pêches d'hommes. Hein. Ouais, j'ai bien l'impression que. Donc ce soir, vous pouvez peut-être tirer une croix sur la saison 3, les gars. Parce que là, il y a gros de dégâts quand même. C'est pas pour Eric. Est-ce qu'il va dropper ça ou est-ce qu'il va quitter Pigette, Rico? Allez quoi, 35? Allez, c'est 40 minutes. Ah, yeah! C'est bien. Cool. Deuxième partie de la journée. En Camargue, on a la chance d'avoir les poissons côtiers, mais aussi nos thons rouges un peu plus au large. On s'est chauffé là ce matin avec quelques loups. Mm-hmm. Et puis maintenant, je te propose d'aller au large, voir si j'ai une condition physique extraordinaire, donc il n'y a aucun problème, ça me fait absolument pas peur le ton. Hey, Olive ? Hein ? J'ai repéré les petites enceintes sur le bateau, est-ce qu'on partirait pas en musique ? Est-ce qu'on se mettrait pas un petit peu de Monsieur M quand même ? À mon pote ? Ouais. Allez, bim ! C'est un petit toit, je regarde, que j'ai... Voilà. Je me sens comme pris au piège, avec vous. Ah, et c'est parti ! Je me sens comme pris au piège, noyé dans la masse. Au sein de cet immense manège où je ne fais que boire la tasse. Toujours debout même si ces derniers temps. J'avoue que la vie n'en finit plus de me mettre des coups, alors je serre les dents. Mais j'ai bien peur que mes blessures ne soient pas guérissables. Il y a si peu de choses qui me rassurent dans ce monde où tout est périssable. Et bien là, on est parti au large chercher nos amis les thons. La technique du jour, c'est le broumé. C'est ça. Donc c'est ce que tu mets en place depuis une dizaine de minutes sans rien nous dire, sans nous toucher mot. On aimerait en savoir plus, mon ami, puisqu'on fait un film. Je vais te couper, Julien. Ah. Regarde l'écran, t'as un thon sous le bateau. Exactement, ici. Effectivement, effectivement. Il est donc ici. À 25 mètres. Ouais, 24-25 mètres. Ouais. Là, il descend une petite sardinette. Et là, tu vas l'avoir à vue sur ton écran. Ah ouais, t'es coquinou, c'est pêche à vue là. Là, c'est comme le pêche du silure au vert, quoi. C'est ça. Après, tu sors ton clonk et c'est parti. Ah, ça m'excite. Là, il y a le thon, le poisson, et là, il y a l'écho de la lune qui descend. Il est monté chercher quelque chose. Et il est redescendu. On y est presque. Il va venir nous voir. Alors, c'est quoi ce que tu viens de mettre là, ton flotteur? C'est pour maintenir une profondeur précise? Voilà, exactement. Ok. On a calé la première canne, on l'a fait descendre en plus, on a eu de la chance directement à peine arrivé sur un poisson. D'accord, donc là c'est juste passé sur ton fil, c'est ça? C'est ça. Là, tu mets un coup de canne, ça se débloque. C'est ça, donc c'est juste une petite pince qui clipse ton fil. Ouais.
tu viens sécuriser, tu mets ton agrafe sur le fil. Okay. Quand il va y avoir la touche du poisson, le poisson va emmener le flotteur dans l'eau, ouais. Ce qui va mettre une résistance sur la pince. Le fil se détache de la pince. Clac. Et le flotteur coulisse. Okay. Ça permet d'un pas. Ah, il reste sur ta ligne. Oui. Par contre. Il reste sur la ligne. Du coup, ça coulisse, donc ça met pas de résistance pendant le combat. Ouais. Tu ne perds rien à la mer. Okay. Quand le poisson il arrive à la verticale. Clac. Le petit moussaillon à côté, il vient, il enlève le flotteur et tu fais ton combat tranquille. Okay, okay. Tu perds rien à la mer, tu pollues pas et tu maintiens la profondeur comme tu veux. Okay. Donc là, on est arrivé, pêche du thon au Broumé. Quelques minutes avant de s'arrêter, broyeurs, distributeurs de sardines qui ont commencé à amorcer. Donc là, on a ton stock de sardines ici. C'est ça. Là, ça broie, donc broyeur. Ça fait de la petite portion. C'est ça, là, ça et broie, là, ça fait... et là, c'est les sardines en entier qui passent quoi. Demi-sardines. Demi-sardines. Le but, c'est de le nourrir, mais sans le gaver. D'accord. Avant, on laissait les cannes fixes, on calait plusieurs profondeurs, on se mettait là en attente. C'est ce que j'allais dire, les autres cannes vont servir à peigner d'autres profondeurs. Et on travaillait l'amorçage. Là, maintenant, l'amorçage se fait en automatique, et nous, on va travailler les lignes, parce que les poissons, des fois, ils veulent plus des lignes figées dans le courant. Donc il faut faire vivre la ligne, il faut lui faire descendre sur lui pour qu'il monte. Voilà, c'est quasiment de la pêche à main. Faut que t'animes un peu quoi. Voilà, il faut faire en sorte que ce soit le plus naturel possible, comme les petits bouts qui tombent dans l'eau. Ouais, bien sûr. Donc des fois, ça plane quoi. Voilà, des fois on va mettre des demi-sardines sur un petit hameçon, on va jouer avec le diamètre du fil, la longueur du bas de ligne. Ah oui, ça t'arrive de prendre à la demi-sardine quoi. Ah oui. Parce qu'ils sont habitués à manger au tronçon des... d'un quart de voilà. sardine. Avec oui. des hameçons de 4-0, du fil de 50 centièmes, c'est une pêche de plus en plus fine et de plus en plus... voilà, oui, il faut aller dans les détails. Là, c'est une sardine, tu pêches le thon parce que tu les as sur son verre, mais on peut potentiellement tomber sur autre chose, non ? Thon, espadon, requin, raie. Espadon ? Oui. C'est possible, ça ? Ouais. Du coup, deux espèces d'espadon faites cette année. Le Xiphias, qui est vraiment l'espadon recherché en Méditerranée, le Graal, quoi. Ok. Et après, cette année, j'ai fait un spearfish. Donc un espadon beaucoup plus allongé et voilà qu'on a de plus en plus dans nos eaux. Hein. Donc spearfish, Xiphias, requin bleu, requin renard, répastenague. Requin renard, celui qui a longue queue là, c'est ça? Exactement. Répastenague aussi, c'est celle qui pique par contre, qui est dangereuse. Tout à fait, elle a un petit dard, on glisse dans une épuisette, il y a une façon de lui retirer le dard sans lui faire de mal. D'accord. Et comme ça, moi après on peut la manipuler. Ah tu peux retirer le dard? Oui, en fait elle a toujours, en fait son dard il est fait pour être largable. Donc elle le plante dans... Ah ça repousse? Ouais, exactement, il y en a toujours un deuxième prêt à repousser. Ah ouais? Ouais, ok. Et du coup, voilà, on travaille avec le Siquarium du Gros du Roi, ceux qui m'ont appris toutes les manipulations sur ces poissons. Et moi quand je suis arrivé que j'ai découvert ça, j'ai dit, j'ai une petite question là, le dard on fait comment? Et en fait il n'y avait pas le dard sur les poissons. Et elle me dit, bah toutes les semaines, comme vos ongles... Ah il leur coupe toutes les semaines? Ah énorme, ok d'accord. Du coup, c'est là qu'on a appris, en plus c'est rempli de mucus, rempli de poison dans ce dard, donc faut vraiment... Ouais. Faire savoir faire quoi. Une fois que tu as appris la manipulation, toi, tu fais ça, tu fais découvrir aux gens, c'est cool quoi. Oui, c'est comme les taureaux, une fois que tu sais faire, il n'y a plus de risque. Quoi. Exactement. Faut juste savoir faire. Là, moi, je vois passer des poissons et je deviens un petit peu fou là. Ah, on discute. J'aimerais qu'il y ait des sardines à l'eau quand même, parce que bon, là, on a un poisson qui est sous la thermopile à 18-19 mètres, et puis on a un autre poisson qui navigue dans les 40 mètres aussi. Voilà. Donc, je sais pas, peut-être qu'il paye quoi plus que ça. On va aller placer les cannes. C'est fait à base de roseau. On est sur un gobelet de type éco-responsable. Ah, voilà. Okay. Parce que là, on est en train de vivre une expérience éco-responsable. Oui, et puis ce qui est éco-responsable. Dans le respect. Chose qui est vachement éco-responsable. Ça, c'est éco-responsable. Ça... Et le plateau est éco-responsable. Tout est éco-responsable. Ah bah, je t'en supplie. Et ce petit rosé vient d'où? De Montcalm. Alors le rosé de Montcalm a des vertus pour tout ce qui est articulaire et genou. Ah oui, ouais. Un petit hameau de 80 habitants au milieu des vignes, en plein Camargue. Et c'est chez toi. Voilà, c'est ça. Donc c'est le pique-nique, hein, sur le bateau. On attend le départ. Ouais, on attend le départ. Pas le nôtre, hein, le départ du temps. Ouais, ouais bien sûr. Avec mon matériel, monsieur Gracieux. Tu descends un picard de sardines le long du boudin, mais vraiment le long du boudin, pour simuler que mon petit morceau de sardine fait partie de l'amorçage broumé préparé au cul du bateau.
Et puis tu laisses descendre sur les, semble-t-il, les petits tonidés qui tournent sous le bateau et qui sont en train de nous casser notre, notre manœuvre d'amorçage. En fait, ils bouffent tout ce qui sort du bateau. D'accord. Et ça peut l'air mal, Eric, où t'as rien dans les bras. T'as un bon pied. Peut-être une bonite, peut-être un thon. Et on est sur une 7, on est sur une 7,28 quoi. À quoi tu étais là? Avec un petit bout de sardine. Voilà, après cette superbe journée de pêche, nous voici de retour dans les terres, au milieu des champs. Juste devant nous, on a deux gardiens, pas gardiens, gardiens, donc, qui sont à dos de chevaux camarguais, donc les dresseurs de chevaux, qui vont nous montrer un petit peu comment, comment ils travaillent. Et puis, puis après, on se rejoindra tous à table pour découvrir et manger une gardiane, une gardiane de taureau. Une gardienne de taureau, en plus communément, c'est un civet de taureau. On vous en dit pas plus, on découvre ça tout à l'heure à table. Pour l'instant, activité taurine. Là, on va trier la vache. On va faire courir dans, le, dans l'arène là-bas. Okay. Pour pouvoir l'amener jusque là-bas, on va se servir des taureaux qui ont la cloche. Ce sont les simbeaux. Donc, ils vont nous permettre en fait de calmer la vache. Vache castée. Ferme la barrière avec le cheval. S'il vous plaît. La souplesse. Donc on vient de voir la première partie. Là, c'est en ça que consiste ton métier. Donc dresser les taureaux. Donc là, ici, pour l'amener sur une aire de jeu. Là. Exactement. Donc là, ici, là, dans le cas actuel, ce soir. C'est pour l'amener faire une initiation à la course camarguaise. Ouais. Donc c'est l'activité principale du taureau Camargue. Et après, dans un second temps, on va aussi les trier ben, pour pouvoir les changer de pâturage si les pâturages sont loin. Et je voyais là que tu me disais, ils sont tous castrés les taureaux, il n'y a pas de reproduction sur vos... On se sert une... sur vos élevages. La plupart du temps de taureaux jeunes, ouais. De taureaux qui ont 2 ans, 3 ans, on met à la reproduction. Puis on va les castrer après et les faire recouvrir. La plupart du temps, les taureaux sont quand même meilleurs en piste quand ils sont castrés. Ils sont okay. Plus concentrés, plus aptes à travailler. C'est peut-être ça qu'il faudrait qu'on fasse avec moi, Oli. Si on me castrait, je serais peut-être plus apte à travailler. On parlera à nos milieux. Ok, merci Grégoire. Cool. Et voilà, comme promis, après cette petite balade et la découverte du métier de Grégoire, on se retrouve avec mon Réco déjà, et puis Chantal. Donc la maman du propriétaire du site. Voilà, exact. Et ton ami et collègue, puisque vous travaillez un petit peu ensemble, David, qui lui est artiste peintre. Tout à fait. Alors moi je suis le commis, donc vous pouvez me donner des ordres là, carrément. Alors je vous donnerai des ordres, en temps utile. Alors, la gardienne de taureau, c'est là normalement, là c'est du gîte. Après on va utiliser des carottes pour la marinade, on va utiliser des oignons, de l'ail, okay. Des herbes de Provence. Alors là vous avez okay. Du thym frais. Du romarin frais, du laurier et quelques branches de fenouil.
Là, ouais. Si j'ai bien compris, ça c'est ta signature. C'est ça. Donc c'est une demi-tête de taureau. C'est ça, un demi-tête de taureau. Ça c'est toi qui le fais aussi. Oui. Ouais, super. Donc c'est toujours ta demi-tête de taureau. C'est ça. C'est super design. C'est super, super design. Et donc tu fais ça sur les vêtements, je vois que Chantal en a. Ouais. Et toi aussi. J'ai ouais. Tout à l'heure que... Ah, génial. Donc la marinade, je suppose que le vin, il est d'ici aussi. Le vin est d'ici, on prend généralement un vin rouge assez corsé. Et le riz vient pas de Thaïlande. Et le riz vient pas de Thaïlande, il vient de la maison du riz. Ça fait bien grand prix. Pas loin. Normalement, on laisse mariner au frais. Alors, combien de temps on laisse mariner? Moi, je laisse mariner 24 heures. Ok, pour que ça s'imprègne bien. Ça s'imprègne bien. Donc, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est pas ce mélange qu'on va manger ce soir, puisque la marinade est déjà faite. Voilà. J'adore ce son. J'aime beaucoup aussi. Ça est le frein du moulinet qui chante. C'est le son qui me... On fait un petit point sur les genoux pendant que ça mijote. Hein, on montre ça quand même aux gens. Celui-ci. Et puis là voilà, on a un genou doublé, quoi. Voilà, Juju, il est content. Il est content, il rentrera, puis il ira voir son médecin. Puis, en attendant, on va mettre une petite genouillée. Le carré de chocolat. Ah bah voilà, oublié. Le carré de chocolat. C'est pourquoi alors. Il ira en fin de cuisson pour que la... pour glacer la sauce. La rendre brillante. Voilà. Et ça glacé. Voilà. Ça enlève un peu l'acidité du vin, mais c'est surtout pour que la sauce soit glacée à l'aspect. Ok. Ça c'est propre à cette recette ou on peut le faire aussi pour un bourguignon finalement, ce genre de choses. On peut le faire pour un bourguignon, oui. Donc là désormais il ne reste plus qu'à réchauffer. Je vois que Chantal a des bonnes habitudes. On ne serait pas en train d'ouvrir une bouteille pour l'apéro là. Oui, tout à fait. Eh ben si c'est pas merveilleux. Moi je vais quand même enfiler mon attelle. Dis-moi Julien, la tienne guise d'attelle. Ouais. Si je te faisais une attelle avec ça moi. Ah, je vais avoir du mal à courir, par contre le genou va être protégé, effectivement. Ah, mais c'est sûr, regarde, ça serait sympa. J'aurais bien vu la tête de taureau, moi, sur cette jolie athème. Ben, demande à David. David, tu crois que c'est quelque chose que tu veux réaliser ou pas? Je vais prendre mon voiture, je vais aller chercher ce qu'il faut, et je vais te faire une belle athème. Oh, une athème taureau de Camargue, signée JPCV, et de la main d'artiste, quoi. Allez, c'est parti. Ça marche. Je vous remercie. C'est au top. À la vôtre, à la Camargue, aux copains, aux poissons, aux taureaux. On est au top, j'ai tellement de choses, la liste est pour moi. Je ne bouge pas la tête, j'adore la musique, mais on est sur une activité peinture. Ici, j'ai la chance et l'honneur de me faire personnaliser ma magnifique genouillère par David, l'artiste, genre ma tête de taureau. Ici, souvenir de Camargue, souvenir brut de Camargue, un genou en vrac. Mais voilà, je repars avec une belle genouillère et l'esprit Camargue dans le cœur. Ça y est, je suis Camargue. Ouais. Camargue et les moustiques. Et voilà. Merci David. Yes, ça y est, je suis un vrai Camarguais. Et voilà, petit souvenir. D'habitude, je ramène un leurre en souvenir. Merci, Marc. Ici, c'est une attelle. Bon, écoute, on prend des risques. Hein. Des risques du métier, comme on dit. Est-ce qu'on passerait pas à table, hein? Allez. C'est comme ça qu'on fait les transitions généralement le soir. Hein. Allez, hop, tous à table. Et on se retrouve pour la gardienne. Torero valiente que baila con su capa, que baila con el toro, torero valiente que baila con su capa, que baila con el toro, torero valiente. El torero valiente. La
baila con el toro, torero valiente, torero valiente, que baila con su capa, que baila con el toro, torero valiente, torero valiente. Hop là, regarde le torero valiente ce matin. Comment ça se passe cette deuxième journée? Bah écoute, ça commence plutôt pas mal. On a fait 4-5 lancers, le soleil se lève, c'est un petit peu plus couvert, un petit peu plus devant. Donc la surface frise un peu plus. Mais écoute, Stéphane nous a déjà fait un poisson, je viens d'en louper un bêtement. Vraiment bêtement, je voulais, je n'osais pas te le dire, mais bête. C'était bête. Je discutais, je n'étais pas prêt. Et puis bah après on repart au thon, au large, là on essaye de faire quelques loups, dont un peut-être un peu plus joli. Et après on va chercher la grosse baie. Sur la même petite boule hein, de poisson. Et bah il y a que lui qui fait du poisson. Je pense que ça y est, il a arrêté les politesses là de Stéphane. Il a dit moi les gars vous faites ce que vous voulez aujourd'hui, je rentre. Ah sur le leurre, le premier sur le leurre. Ah doublé, il serait peut-être temps que je lance moi les coups. Les poissons, les poissons. Bon, vas-y. Commence à pêcher. Et voilà. Le triplé? Un triplé ou non, pas non. Ah non. J'ai cru. Hein. Je remets le leurre de départ que j'avais même pas essayé. Ce qu'il m'a dit, tu vois le petit storm là qui se fait plus là. C'est juste mon leurre préféré. Donc si éventuellement tu voulais m'écouter le remettre, je vais le remettre. C'est même pourquoi je sens une scène comme la Vendée. Je vais faire un lancer, je sens qu'au premier lancer. C'était pour toi Olive ça. Ça c'est mon petit côté cinéma, c'est mon petit côté spectacle. C'est parfait. Direction. Oui, ok, avec ton leurre, ça va, oui Stéphane. Le mec connaît quand même son truc, a priori. Putain la vache, par contre, j'ai l'impression qu'on est sur une opération. Elle est mollo avec le leurre mon pote, hein, parce que je me fous dans la main avec lui. Le petit loup, hop là. Bel arrêt. Cool, ah ouais. Je twitch et puis je fais une pause. Et c'est souvent à la pause qu'il vient taper dedans, en fait, parce que je pense que le raglou doit redescendre. Ah, j'ai pris. Pause. À la pause. Ouais. Yes, ouais. Il est à 40. Il est à 40. Hop là. Merveilleux. Ah ouais. Et toujours sur la pause. Je vais effectivement à la pause. Merveilleuse. Hop là. Pique de partout ces petites bêtes là. Petit instant technique, Steph va nous montrer comment on fait cette petite potence avec un diamètre un peu plus gros. Du coup, moi ce que j'aime bien faire, c'est utiliser, maintenant dans les fluorocarbones, il y a plusieurs sortes de fluorocarbones, il y a des souples, il y a des plus rigides. Ouais. Donc je prends un souple pour mon bas de ligne. Ouais, ce qu'on appelle ça, soft des fois. Voilà, ouais. Exactement, okay. Donc un truc bien souple, bien vivant. Okay. En revanche, pour cette potence, on s'est aperçu qu'en mettant du souple, rapidement on avait une potence qui allait s'enrouler, etc. Et donc du coup, en mettant un fluorocarbone raide, là on arrive à avoir une potence qui reste plus longtemps pêchante. Moi j'aime bien au final avoir mon petit teaser à 25-30 cm devant mon leurre, quand il est rabattu et qu'il fait ses zigzags. Ouais. Et lui qui a une amplitude de une quinzaine de centimètres. Donc vous avez préparé votre montage ici, votre petit teaser avec un brin de fil un peu plus long pour pas se retrouver embêté. D'accord ? Ok. Il vous suffit ici de le placer. Donc pile poil à l'endroit où on veut qu'il soit attaché. C'est ça. Okay. Avec le raglou vers le haut. D'accord, donc on garde ça en repère, c'est ici que tu veux mettre ton. Ouais, ici je vais faire mon nœud, mais bien le raglou vers le haut. D'accord. D'accord, pas vers le bas. Vous prenez vos deux fils. Faites une boucle, vous repincez et vous passez du coup les deux dedans, le petit et le long.
Donc on fait ni plus ni moins un nœud simple, mais avec les deux fils. Quoi. On les met juste en parallèle, un nœud simple. Je vais passer le petit. Donc bien évidemment, on ne met pas le leurre au bout de la graffe, sinon on a du mal à faire son nœud. Voilà. Hein. Donc là, on a fait un premier passage. On peut déjà un petit peu resserrer, ça va nous aider. Okay. Et là, on passe une deuxième fois. Ok. Hop. Du coup, comme tous les nœuds, ouais, on humidifie. On humidifie un petit peu pour pas qu'il chauffe. Voilà. On serre. Donc là, vous avez vu, j'ai quatre fils. Donc du coup, là, au début, je tends un petit peu avec les deux fils de chaque côté. Donc et tu après, serres tous les fils en même temps. Et après, je les prends un par un. Ok. Voilà, pour finir de serrer le nœud. Nickel. C'est un peu plus simple. Puis surtout, on a vu que sur ces loups-là, ici, clairement... 90% des touches sont sur le petit teaser. Quoi. Voilà, c'est ça. Oh, c'est validé. T'as fini de te crisper toi? Eh ben écoute, maintenant que c'est validé, est-ce qu'on irait pas chercher la grosse bête au large? Ah ben moi ça me tente bien. Ça te tente bien? Ouais. Et toi Eric, qu'est-ce que t'en penses là-bas? Allez, on va au ton. Eh ben si on va au ton, on lâche cette jolie petite bête là. On sait bien. Merci les petits loups pour ce beau petit moment. Oh, il est beau, je finis sur un beau petit loup, moi je suis content. Allez, là, mon petit... Arrête de te crisper, arrête. Bon, hop là, allez, nous voici au large pour pêcher la grosse bête. Steph il est en train de mettre en place les cannes tranquillement, il y en a déjà deux qui sont en place. Alors on a une journée clairement différente d'hier, hein Steph? Ouais. C'est complètement différent d'hier, il y a plus de courant tu nous disais? On a plus de courant. Hier tu tenais avec combien sur la profondeur? Avec 100 grammes j'arrivais à régler mes cannes à la profondeur que je voulais. Donc plus de courant, un ciel plus couvert il y avait quelques minutes, ça a l'air de se dégager un peu, on va voir. Il y a un peu de vent quand même, plus de mer. Ouais, donc vu que la journée était difficile hier, c'est aussi bien qu'il y ait des conditions différentes. Exactement. Ah, voilà. Donc on était gentiment en train de manger, en se disant que c'était calme. Vraiment, j'ai pas bien de parler à la bouche pleine, mais bon. A priori, on va peut-être pas avoir le temps de finir de manger. Après, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'ils sont là que... Mais en tout cas, ils ont aussi la... à 2-3 mètres au-dessus ou en dessous des lignes, quoi. Là, c'est là, il est monté voir, puis il est redescendu. Ça fait le zigzag, quoi. Voilà, donc tout ça, c'est la ligne qui est descendue, les appâts qui se diffusent à hauteur de la ligne. Suspense. Tac, c'est bon. C'est ça qu'on aime, non? Bah évidemment que c'est ça qu'on aime. Allez, viens, mon roule à pain. Ouais. Pour l'instant, juste opposition. On cherche pas à le pomper. Ok, je touche pas au frein. Hein. Non. Okay. Tu te colles bien à l'avant. Ok. Les boudins. Je sais que t'es handicapé, mais on va faire pour le mieux. Tiens, je doute, ça fait. Je vais y mettre. Allez, peut-être pas y mettre tout de suite, par contre. T'as bougé. Ah, c'est vrai que c'est bon. Alors avec ces poissons, au plus t'es doux, au plus ils seront doux. Ah, plus je brutalise, puis voilà. Quand tu pompes tout doux, tu redescends. Voilà. Mais pas d'amplitude, mais pas de force. Tranquillement, si d'un coup tu vas le ramener sur 30 mètres comme un fou, il va te remettre 50. Il va remettre 50, sauf qu'il va forcer sur la ligne, il va forcer sur l'hameçon, il va forcer sur le trou. Oui, il faut pas oublier qu'on est en 60 centièmes quand même. Voilà, on a descendu les fils, on a triché, on a fait plein de petites choses pour y arriver. Maintenant qu'on y est, on met de l'opposition. Je ne filerais pas une petite tranche de chorizo pendant que je suis en train de combattre mon Eric. Moi j'ai à peine fini de manger quand même. Il va pas se plaindre quand même. Hop là, ok. Ah oui, il y a quand même un confort. Ouais. Et voilà. Ouais, bon bah une histoire. Pas content en guettant. Pas content en guettant. Vous avez pas fini mon rosé là. Oh putain, après un ravitaillement pareil. Par contre je fais pas tout seul, hein. On fait encore un copain. Hein. Là mon Rico, tu te prépares là. Fais un petit échauffement des poignets là. Tranquille, on va enlever la bouée déjà. La bouée que t'as autour du ventre. Celle-là elle va être dure. On va jouer en même. C'est des années de... Le boulot, ça va pas comme ça, mon gars. Et c'est pas un dé. Ah, la satisfaction. Après,
Les taureaux camargués et les taureaux des mers. Donc c'est ça. C'est ça qu'on aime. Bah celui-ci, normalement, je risque rien pour mettre de fesses, normalement. Ah, mais là, c'est par contre, je peux me faire le deuxième genou, éventuellement. Et là, bien, effectivement. Alors, on pourrait penser que je suis en train de le massacrer, mais finalement, c'est lui qui fait ce qu'il veut, pour l'instant. Nous, on est là que pour donner de l'opposition. Ouais, okay. On a un frein réglé à peu près à 6-7 kg. Gardez la tension. On garde la tension sur 6-7 kg de frein et c'est lui qui va se fatiguer là-dessus et sur la pression de la 4. Oh, il vient. C'est cool. C'est normal. Il vient s'installer à la verticale. Là, pour l'instant, il a essayé en linéaire. Il a vu que c'était pas faisable. Il revient et il va jouer avec son poids. Putain, il va briser en mille. Les mecs, je vais revenir avec la main complètement défoncée. Julien est un petit peu blessé. C'est un petit peu de notre faute quand même. Je l'assiste au moteur électrique pour pas qu'il ait à tourner de bord sur le bateau. Je suis pas le genre de mec à changer de bord, je te préviens quand même. Ah, tu veux pas virer de bord? Non, pas trop, non. Bon, bah, tout va bien alors. Allez, petit flotteur navigable. Okay. On n'a pas perdu à la mer. Parfait. C'est top, hein. Super. Mettre un peu plus de frein pour Eric. Moteur, petit 65e. C'est beau ce que tu fais, Eric. Vraiment beau ce que tu fais. Et attention, le thème de cet épisode. 1, 2, 3. Torero valiente, torero valiente. Ah, c'est bon ça! Ah ouais, mais un premier, si on le sort, ce sera le premier. On avait combattu un. Alors, chez nous, hein, et dans toutes les règles de pêche au blue game, ouais. Quand le ligneur touche le bas de ligne, le poisson est compté. Ah, c'est étrange de façon de combattre en haut. Il me tue les reins, laisse tomber. Il est juste là depuis tout à l'heure. Il tourne, on dirait un manège. Ouais. C'est normal, c'est un poisson qui ne sait pas nager de 0 à 5 km/h. Toi, tu essayes de le mettre à l'arrêt. Ouais. Donc lui, la seule façon qu'il a pour continuer à s'oxygéner, c'est de tourner en rond. Et donc à survivre. Et donc du coup, il tourne en rond sur la même longueur hein, que tu lui as laissé de fil. Il tourne pour ouais, continuer à s'oxygéner. Ouais, d'accord, ok, pour continuer à nager, ok. C'est sa seule façon. Waouh, il était peut-être 5m20. Je sais, je vais peut-être dire 1m12, moi. Sous le bras. Oh là 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 là. C'est beau. T'as quand même un coup que ce soit. Lève la canne. Il est trop proche de l'âme. C'est prêt. Il est là. Il est fait. Mission accomplie. Là, direct, tu te mets en action pour l'oxygéner. Hein. Exactement. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, la gueule que ça va. C'est un poisson qui mérite... Mérite le respect. Qui mérite le respect, ça c'est certain. Oh, surtout qu'il ne peut pas être à l'arrêt. Tout de suite, on met en marche avant. Et comme ça, au moins, il réoxygène, il nage et on est tranquille. Donc, les thons sont toujours au broumé avec les cirques qui sont toujours piqués commissure de la mâchoire. Toujours piqués là. Oh là là, ils prennent leur sardine à la moitié de la commissure. Et du coup, l'hameçon se pique toujours comme ça. Tu ne le blesses pas là ? Hein ? Non, non, non. Ok, hein. Il risque pas de se décrocher avec la pince là. C'est ouf, voilà. Ça tient comme ça la pince. Hameçon libéré, hameçon avec un rolling qui permet de pas vriller toute la tresse. Et ici, vous avez la nageoire pectorale. Vous voyez juste derrière, on voit un petit trait là derrière. En fait, c'est juste un renfoncement pour que la nageoire puisse se plier et que le poisson soit tout rond. D'accord ? Donc chaque élément d'aérodynamisme sur ce poisson est calculé. Tu vois, la nageoire se plie et le poisson devient rond. Il n'y a pas une petite bosse à cause de la nageoire. D'accord. Oh là, ici, vous avez la dorsale. Pareil, oh, et c'est collé au corps. Vous voyez, là pour l'instant, hop, je ne peux pas l'attraper. Là, en fait, la dorsale, elle est dans une cavité. Elle est dans une petite fente. Ah ouais, ça rentre dans le corps du poisson. Contrairement aux autres poissons où elle se replie sur elle-même, là, ça rentre dans une cavité. Et à l'arrière, les petites pinules jaunes, ils fonctionnent comme des ailerons de Ferrari. Vous voyez, ils bougent tous en même temps, ça c'est génial. Et c'est le dernier élément qui permet de le stabiliser quand il est à grande vitesse pour ne pas partir en torpille. Ça c'est magnifique. Parce que forcément, il a
Il a la forme d'un obus et quand il est lancé à 80 km/h, c'est une vraie torpille. Qu'est-ce qu'il est beau! Du coup, là, on va taguer le poisson à travers l'Institut monégasque de recherche. D'accord. Et la Fédération de pêche de Monaco. Je vais implanter dans le poisson un endroit bien précis, défini par les scientifiques, où on sait que ça ne blesse pas le poisson, etc. Un implant musculaire. Voilà. Sur cet implant, il y a un numéro de tag que moi, je rentrerai dans une application toutes les informations. Comme ça. Voilà. Donc là, le poisson est tagué. Il reste avec un truc qui dépasse comme ça. Il n'y a pas une goutte de sang et le marquage est dans le même alignement que sa dorsale. Donc si un jour ce poisson est recapturé, eh bien, on aura un maximum d'informations. Le lieu de capture, le lieu de recapture. Donc on pourra se dire, bah, tiens, c'est un poisson qui a été capturé une première fois dans ces 3-4 ans en Méditerranée. S'il est recapturé dans 10 ans en Atlantique, on pourra tirer des conclusions peut-être, sa morphologie, savoir s'il a grossi, pas grossi. Voilà, plein de petites infos. Et le but, c'est que le peu d'impact qu'on ait, nous, ici, en pêcheur no-kill sur ce poisson, soit valorisé par un maximum d'informations. Je l'amène là, c'est ça? Ouais, juste là, okay. Voilà. Ah, il est fait. Ah, il fait 120. 112. Alors, la mesure se fait ici à la fourche de la queue. Ah, d'accord. Et on est sur 112. Allez! Bingo! Bien joué, Gigi. Ah ouais, la nageoire, oh la folie! T'as vu, c'est un poisson, il a des écailles plus petites que les sardines. Ah, mais il a des écailles quand même, quoi. Et oui, il a quand même des écailles, mais elles sont microscopiques. On dirait pas. C'est pour ça que c'est des poissons qu'il faut absolument pas sortir de l'eau, puisque tu les pèles directement. Il n'y a aucun relief en fait. Tu vois là les petites traces qu'il y a. Mais c'est là, le fil ça. C'est notre fil. Ah, donc, ouais. On a déjà, entre guillemets, un impact rien qu'avec le fil dans l'eau. Déjà un petit alors t'imagines hors de l'eau. Ça s'efface ça avec le temps? Oui, oui, naturellement. À bientôt mon petit lapin, merci pour tout. Ouais, premier ton. Le ton remis à l'eau, c'est notre écho qui est rependu. Qu'est-ce qu'il fait mon écho là? Il fait des bonites. Il fait des bonites. T'as redescendu un petit bout de sardine? Ouais. Eh ben allez. Ça va mon Steph, t'es content quand même? Ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais, ça va. J'ai juste refaire mon bas de ligne, il est déjà coupé. Ah, les gars! C'est magnifique. Et voilà, le cirque Pinlaire et son orchestre. T'as pris une caméra? Bah ouais, j'ai pris une caméra, écoute. Est-ce que tu veux t'amuser un peu, Olivier Naïmi, regarde. Ah ouais, je veux bien, moi. Ah bah, voilà. Bah, donne-moi la caméra, toi, je vais couper la GoPro. Ah ouais, je veux bien. Ça a l'air sympa, ton jeu. Ah, mais évidemment, on ne pouvait pas partir sans que notre petit Naïmi nous fasse un poisson, quand même. Tu serais pas un petit... Frère, ta petite ganache. Oh là 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 là, regarde. Ouais, je vois bien. Ça déroule, c'est toi qui trembles ou c'est le poisson qui nage? Ah non, c'est le poisson qui nage. C'est le poisson qui nage. C'est le poisson, bam. Évidemment, c'était la paix. Torero valiente, que baila con su capa, que baila con el toro, torero valiente. El torero valiente. Que entra en la arena. La gente lo aclamaba. El torero andaba. Merci. Yes, merci les gars, ça fait plaisir. Et voilà, fin de journée. Que baila con el toro, torero valiente. Ah, hey, c'est à tout le monde. Je t'ai ramené Julien. Waouh. Tu m'as ramené Julien. Le fameux showroom. Bonjour Juju. Salut. Je vais Eric. Je vais faire une bise à Juju quand même. 3, 2, 1.
toujours. Trois, ouais, c'est ça. Sinon, il nous en manque une. Ouais, ça. Comment ils vont? Ils vont bien. Alors, c'est ton fameux showroom et espace de travail, semble-t-il? Espace de travail, showroom, bureau, je vais te montrer après. Voilà, c'est un peu la partie courroux où on développe nos produits. Ok. Voilà, et c'est là où on travaille. Donc, Juliette, la gestion vente, expédition, SAV, réponse aux clients, etc. Donc voilà, le fleuron de la gamme, c'est notre t-shirt UPF 50. Ouais. Donc c'est avec ça. Oui, voilà. UPF 50, c'est vraiment. C'est avec ça qu'on a démarré l'idée. En fait, moi, j'ai été victime dans mes années africaines, j'ai été victime d'un herpès du soleil où j'ai été obligé de me protéger du soleil par des vêtements techniques. Ouais, c'est de là que tu me disais, c'est un peu l'histoire de Kourouk, c'est de là qu'est partie ton idée de dire, tiens, exactement. Moi j'ai besoin de vêtements techniques. Et puis derrière, je me dis, tiens, c'est rigolo, puisque moi, je suis graphiste de métier, donc je crée ce genre de produits. Mm-hmm. Et je me suis dit, tiens, c'est étonnant, il n'y en a pas en Europe, donc on va essayer de... Et tu as senti qu'il y avait un marché, ouais. Donc puis voilà, puis de l'idée est né le projet. C'était une passion aussi pour moi, de l'idée est né le projet. Et puis après, j'ai laissé libre cours à mon imagination. Le premier des premiers modèles, c'est celui-ci, qui est la base que tu retrouves aussi là, qui est la base d'une 40 GT. D'accord, donc c'est tes expériences de pêche personnelles qui ont été tes sources d'inspiration pour tes premiers. Les sources d'inspiration, je veux absolument retranscrire que dans la nature, on trouve des choses qui sont magnifiques. Bien sûr. C'est pour ça aussi qu'on va à la pêche, souvent les robes des poissons sont magnifiques. Donc ça, c'est une robe de thon qu'on a fait peut-être ensemble, je ne sais pas. Les petits, comment tu appelles ça déjà? Les pinules. Les pinules du thon qu'on avait vu là sur un beau poisson. Ok. Et là, on a du maï-maï, là, on a... Picoque basse, voilà. Et yes. Puis, on va retrouver le modèle phare de la gamme qui est le jungle, mais qui est créé à partir de la robe d'un basse. Un basse, ouais. Qu'on retrouve là-dessus. Ah, oui, okay. C'est une veste que j'ai conçue pour le bateau, donc avec l'aide de Nicolas, qui est notre responsable atelier. C'est pas les mêmes, c'est deux versions différentes. C'est deux versions différentes. On a changé un petit peu les versions. Ça, c'était la V1. Et ça, c'est la V1. Ça, c'est la V1, ça, c'est la V2. Donc, du coup, il y a des améliorations, c'est ça un peu l'idée? Exactement. L'amélioration, c'est qu'on avait mis ces zones-là, qui étaient des zones respirantes, et qui ne servent pas à grand-chose au final sur un bateau. D'accord. Parce que le problème, c'est au démarrage, sur un bateau puissant, que ce soit en mer ou en eau douce, on a toujours une vague de vent qui arrive, et c'est là où on prend froid et on a un peu mal à la gorge. On l'a vu hier avec mon engin du diable. Et du coup, on a supprimé ces zones-là et on a mis carrément de la doudoune maintenant pour une protection maximale. Voilà. Okay. On garde toujours les manches ici en demi-raglan qui permettent, en fait, je ne sais pas si tu vois la forme, Julien, mais qui permettent de lancer correctement sans avoir des frottements, tu sais, avec une doudoune, etc. Ah, ok. Voilà. Okay. Et toujours dans ce souci-là, on a mis des zones respirantes sur le côté, donc on évacue la transpiration. Et surtout, si Stéphane, tu peux te tourner, ce côté-là où l'arrière de la veste est plus long. Ah oui, elle est plus longue, c'est ce que j'avais vu. Voilà. Ah, ça c'est cool, t'as pas le bas du dos qui, quand tu te penches. Quand tu t'assois, que tu te penches dans le bateau, que tu te relèves. Ou quand, comme moi, t'es un peu grassouillé, t'as pas l'arrêt du maçon apparente. Exactement. Merveilleux, bien pensé. Voilà. Ouais, donc c'est grâce au retour de tes pêcheurs que tu crées des V1, exactement. V2, V3, V4 s'il faut pour améliorer tes Justement, ce matin, avant que tu arrives, j'étais en train de travailler sur la version 2 des vêtements JPCV. Ah ouais. Alors là, c'est exclu, on ne les a pas vus nous encore. Non, personne ne les a vus. Je suis en train de travailler sur un coupe-vent, qui est ce coupe-vent-là, qu'on va retrouver ici. C'est un coupe-vent étanche. C'est-à-dire que l'eau ne pénètre pas. C'est un 3 couches. Ah ouais, malgré la finesse, ça... Il est très léger. Donc ça, c'est super pour un peu de navigation, eau douce, eau de mer. Bien sûr, si c'est des conditions tropicales, ça commence à être compliqué. Ouais. Mais une petite bruine, etc., l'eau ne passera pas, et c'est surtout respirant et coupe-vent. Ouais, c'est super léger, c'est génial. On voit bien à travers que c'est complètement respirant et c'est super léger. Ça reste matière un petit peu élastique aussi, donc en confort de pêche également. Exactement. Donc là, pareil... Regardez comment on va être beau, les gars. Magnifique. Donc après, voilà, c'est des choses que je vais proposer à la chaîne, et puis si la chaîne me les valide, on fera une production, vous serez bien habillés. Ok, bon top, il ne reste plus qu'à aller à la pêche alors. Hein. Ben oui. Allez, bouclez le commentaire. On va libérer Steph parce qu'il a des obligations. Ouais. Et on va aller rejoindre Tony. Tony nous attend pour aller pêcher éventuellement les perches et les basses, si on a un petit peu de chance. Et Steph, tu nous rejoins quand même en fin de journée pour nous faire une petite piste quand même. Quand même. On va pas se quitter comme ça. Ouais.
Bon bah cool, allez go, à la pêche. Allez, à la pêche, on y va, c'est parti. Pardon, c'est Bah là on est dans les terres hein, désormais, donc adieu la mer, là aujourd'hui c'est pêche du bass. Exactement. Et puis de la perche. On va essayer d'aller gratter quelques perches. Là, pour la petite histoire avec Tony, on a choisi un plan d'eau, on va essayer d'aller... Parce qu'il y a quelques grosses perches. Une gravière là, voilà, c'est une gravière. C'est une gravière, on a beaucoup dans le secteur, dans notre région, on a beaucoup de gravières. Donc aujourd'hui une gravière qui fait quoi? Qui fait quelques hectares là quand même hein, 20 hectares. 20 hectares, ok. Celle-ci. Donc on y pêche la perche? En fait les espèces les plus représentées sont la perche et le brochet. On pêche dans quelle profondeur? Là, du crank, ça peut avoir un intérêt? Bien sûr, ou pas? Bien sûr. Après, il faut des cranks qui plongent un peu quand même. Ouais, si tu as, voilà, des 3-4 mètres. 3-4 mètres, ok. D'accord. Alors, c'est une gravière qui va de on va dire, de 6 à 2 mètres. Voilà, c'est la moyenne à peu près. Oh! Oh là là! Elle m'a suivi, elle a pris là comme une folle! J'ai vu un V passer derrière, elle est arrivée comme un aspe! N'importe quoi! Elle est belle en plus! Oh, bah elle est venue, elle en voulait! Elle est tapée dans la cassure! Super! Tic-tic-tic-tic. Oh, elle est belle! Oh bah elle est 40 easy! Oh elle est magnifique! Tu veux un coup de main? Oh! Oh la pastèque, Olive! Et voilà! Oh là là, la barrique quoi! Elle tire un peu sur le tonilé là, son côté! Voilà, c'est exactement ce qu'on est venu chercher là, c'est ce que je te disais tout à l'heure! C'est pas la touche minute, c'est ouais. Mais il y a de très beaux sujets dans ces gravières là. Voilà, c'est des gravières qui ont entre 15 et 20 ans et ça ces perches là, elles y sont depuis le début. Oh là là, je suis excité. Voilà, c'est ce qu'on est venu chercher et j'espère que c'est pas la dernière. Question quoi. Et voilà. Superbe, lame vibrante comme prévu. Petit coloris rouge et crevisse, c'est voulu. Voilà, alors la couleur peut avoir une incidence. On va dire que en faisant ça, je me suis pas. J'ai vraiment joué sur le mimétisme par rapport à ce... au fait qu'il y a vraiment beaucoup d'écrevisses. Mmh. C'est quelque chose qui est typique de ce plan d'eau là. C'est vraiment une population immense d'écrevisses. Voilà, okay. On va pouvoir en voir sur les bordures. Tu vas voir toutes les cavités que les écrevisses font. Et les perches, sans, voilà, c'est vraiment c'est, voilà, c'est leur apéro à eux. Donc là, Tony va me donner. Une petite lame vibrante. Non, là c'est un spintail. C'est un spintail, d'accord. Voilà. Qu'on puisse avoir tous les trois des choses différentes, qu'on puisse vraiment trouver, cibler quelque chose qui sort du lot. Et en fait, voilà, Julien est en train de gratter sur le fond avec un micro jig. Puis moi, la lame, voilà. C'est vraiment, on a trois choses très complémentaires. Palette, vibration, et puis, voilà. Quelque chose de plus discret. Et nous deux, on aura des leurres un peu plus, entre guillemets, dans l'agression. Alors là, c'est vrai que le vent s'est calmé, donc je pense que c'est pas un mauvais choix. Mmh. La finesse de gratter sur le fond, en plus sur des leurres comme ça, assez minimalistes, sur qui ressemblent beaucoup aux écrevisses, c'est vrai que je pense que c'est pas un mauvais choix. Voilà. Oh, elle est belle. Joli. Doucement, va. Ouais. Ne la brusque pas. J'ai une petite canne. Ouais. Génial. Oh, allez. Les coups de boule. Ouh, elle est belle, elle est super belle. Voilà, tu vois. Oh là 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 là, le format des perches. Allez, vas-y, amène-moi là. Allez, amène-moi là. Oh, il est contre Juju. Elle est belle aussi. Ouais. Va doucement. Ouais. T'as vu le combat? Ah ouais, bah, le coup de la touche. Allez, micro-jig. Regarde les crevisses qui se barrent. Ouais. Allez, amène-moi là. Et voilà, pof la pastèque. Ah. Et ben voilà, j'aime quand un plan se déroule sans accroche. Magnifique. Bravo, prends ta perche. On t'avait promis des belles perches. Oh ouais, je suis content. Tu as des belles perches. La beauté du truc. Pim, dans le palais. Une particularité chez nous, on appelle ça, mais c'est vraiment local, la perche royale. Oui.
Exactement. Voilà. Alors, personne ne connaît ça. Quand on leur dit on fait des perches royales, personne ne connaît. Parce que c'est chez nous, on appelle ça la perche royale, c'est une perche commune. Et voilà, et du poisson, du partage, des copains. Si ça, c'est pas un beau réveil, une bonne matinée. 15 minutes de pêche, 1 mètre de perche, on est pas mal. Exactement, ouais, c'est ça. Bon, ben voilà. Bienvenue et en Provence. Ah ouais. Bienvenue en Provence, mon gars. T'as vu, j'ai fait la mienne. Au même endroit. Voilà, j'ai fait la mienne au même endroit. Ce que je disais, c'est des bandes de 2-3 sujets. Même technique, la lame, toujours pareil, hein. Rouge, qui imite voilà, la couleur d'une écrevisse. Là, j'arrive. Ah bah t'es là, toi. Oh là là, la pâte folle. C'est la cousine, hop. Pizza party. Ah, tu vois, cette cassure très marquée, ouais, on tape toujours dedans. Marquée, hein. Et en fait, c'est souvent 1 mètre avant cette cassure. Ouais, je sais pas si t'as remarqué, mais... C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. 1 mètre avant la cassure. C'est 1 mètre avant cette cassure, elles se tiennent beaucoup dedans. Et cette cassure, on la retrouve sur toute cette berge. Moins au niveau des cailloux, en fait. Ah ouais. Mais sur toute cette berge, on retrouve cette cassure. Là, puis c'est accessoirement là que doit squatter toutes les écrevisses, quoi. Exactement, voilà. Bon. Tu veux un cadeau, Julien? Oh, mais t'as un vivant, toi. Ah ouais, allez, j'y monte, là. Voilà ce qu'elle mange. Hein? Voilà, les sujets qui vivent ici et qui font que les perches grossissent très très vite, quoi. Ah, ça y est. Oh là là. Ça y est. Délire, ça y est. Alors ça c'est un peu plus loin ça, tu vois. Ouais, j'ai l'impression que ça bataille pareil. Non, c'est une perche, hein, c'est sûr. Mais c'est pas du tout là où je te disais. Ouf, ça c'est gros quand même. ça c'est gros par contre. Ou alors c'est parce que c'est loin. C'est une perche, t'en es sûr, peut-être. Ça donne moins de coups de tête quand même. Hein. Je commence à avoir un petit peu des doutes, mais... Non, c'est un pike, c'est un pike. Ah ouais, je m'en doute. Ah, il est sympa en plus. Hein. Allez hop, tiens, une espèce imprévue au programme. Il est sympa. Alors en 23 centièmes, on va serrer les fesses. Il est bien piqué, non. Il est sympa, hein. Ouais. Quoi pour... Ah, il est sympa. Hein. Ouais, il est joli. Beau, hein. Attends, ouais. Il est joli, ouais. Ah oui, c'est un poisson qui fait pas loin de 80, je pense. Ah oui. Hop. Eh ben, il m'a coupé la lame. Voilà. Et t'as coupé ? Il m'a coupé la lame. Ah, ça y est, là, il a été coupé là. Voilà, coupé la lame. Regarde la morsure qu'il a. C'est un silure. Ah ouais, c'est... Ouais, comme je te disais tout à l'heure, il y a du silure aussi. La preuve. Et il m'a coupé la lame juste au bord. Voilà. Donc là, la lame n'est plus raccordée au reste. Putain, ils sont grassouillés, vos poissons, ils ont à bouffer. Hein. Écrevisse. Et hop là. Oh, puis il part, il fait du cinéma. Là, c'est un beau poisson. Là, ils sont larges. Hein. Il est large, hein, t'as vu. Ah ouais, c'est un beau poisson. Ça c'est bon. Olive. Ouais. C'est exactement ce que je te disais. Petit glinglin. Petit glinglin. Voilà. Ah, de l'eau. Bon, ben, il manquera plus que le bass. Et franchement, on aura fait un sacré mutu espèce. Hein. Et ben voilà. Ah, c'est cool. Pas gros. Action sympa. Olé. Donc là, comme vous avez pu remarquer, on a changé d'approche, on vient de passer en flot de tube. Là, on arrive sur le cœur de métier d'Eric Gracia, qui ne fait pas que du textile, mais aussi pêcheur de basse. Son deuxième amour, après Juju, sa femme. Donc là, on est sur une zone où il y a pas mal de petits étangs, qui existent depuis de très très nombreuses années. Donc les basses se sont reproduits. On va voir s'ils sont là. Je suis un peu déçu par les conditions par rapport au tournage, parce que en octobre, on devrait avoir un peu plus de froid. Tony va pêcher en technique automnale. Et moi, je vais rester en technique estivale pour voir qui déclenche en premier. Je vais pêcher
subsurface en laissant tomber au fond naturel. Très peu lesté en fait. Très peu lesté. Moi je vais pêcher un peu en Texas rig avec des plombales et de 7 à 14 pourquoi pas. Et pareil pour les jigs. On va vraiment prospecter des couches d'eau différentes. Oh, décroché. Tiens, il veut pas dire fiche par contre. Non, je vais le dire à sa place. Fiche de la part de Rico. C'est un beau. Bah devine. Ça va. Allez mon Rico. Bien. Mais lui il y a poigne dans la bouche. Sors-nous ça de l'eau. Voilà. Bien joué Rico. 40 piles. Allez, pas pour 40. 40 piles. Bon, vous avez promis un poisson de 40, il est fait. Ça va toi? Ah bah oui. Ah oh, moi je suis bien. Et là je suis plus détendu, là je suis. Ouais hein. Là on est zen. Ah ce tournage. Ah, bon. Yes. Bon poisson les gars. Super bon. Cool. Ah, il est là. Yes. Il est pas là. Oh, magnifique. Oh voilà. Oh là là, oui. Oh oui. Tu veux le mesurer? 50 toupies. Voilà. Je le relâche. Allez. Bah, c'est quand même un sacré beau poisson. Hein. Yeah. Bah, disons, les gars. Bien joué les gars. Ouais, yes. On a vu des belles choses chez vous quand même. Hein. Yes. Ah, ça a été dur. Bien joué Tony. On voulait vous montrer un gros bass. Bien, c'est fait. Voilà, c'est bon. On a vu du bass, on a vu de la perche, on a vu du silure, on a vu du brochet, on a vu de la bolite, on a vu du thon. Et on a également vu du loup. J'ai envie de dire que le contrat est rempli. On pourrait m'appeler ça un grand chelem. Et copains, on reviendra, hein, je pense. Et doublé. Et voilà. Il est là, il suit. Allez, hop là. Ah bah voilà. Un petit bassouret pour finir. J'avais pas fait mon bass dans les étangs. Je suis vengé. Et malheureusement, il y a un train qui nous attend. Et ça me fait vraiment pas plaisir. Que je serais bien resté plus longtemps. Mais bon, il vaut mieux que je sois sérieux, je vais aller soigner ma petite patte aussi, commencer ma rééducation, et puis je reviendrai en pleine forme. On va t'aider à remonter. Allez, plus super. Il y en a qui peut me prendre mon petit d'accord. Mais bien sûr. Il y en a qui peut me prendre ma petite canne. Allez, je te le merci les gars. Donc bien évidemment les copains. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, ciao la bise. Ciao Julien. Bisous, merci Pitou. Ne pleure pas Olivier, on se le dit. Que baila con su capa, que baila con el toro, torero valiente.